Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fonction très puissante qu'on retrouve sur les touchpads à l'origine, donc de base, qui va vous permettre d'éditer et de créer, ainsi que de regarder, tout ce qui va être document Office, c'est-à-dire Word et Excel. Donc, pour cela, rien ne vaut une démonstration. Donc, j'appelle le logiciel qui s'appelle QuickOffice. Donc je l'ai déjà sorti, comme vous pouvez le voir grâce au multitâche. Si vous voulez l'appeler directement sans savoir où il est, c'est très simple. Vous allez en bas à droite, la touche de menu, vous l'appelez. C'est le petit logiciel que vous voyez en haut à droite qui s'appelle QuickOffice qui est ici. Donc on le lance. Il vous propose d'office tous les documents qu'il est capable de lire. Donc par exemple, là il y a des documents PDF et un document DocX. Donc un document Excel créé à partir de 2007, 2010, 2011. On va lancer un PDF pour vous montrer rapidement. Donc ça c'est un PDF qui normalement doit être sur votre touchpad parce que c'est un PDF d'agrément au niveau de la libre gestion des applications. Donc on lance l'application. Donc bien sûr on peut orienter le touchpad voilà, pour l'avoir en page classique. Ce sera la même chose pour les documents Excel et Word bien sûr. Mais je ne vais pas vous le faire pour des soucis de temps. Donc vous pouvez bien sûr pincher pour zoomer, enfin la totale. Vous aurez toujours après la même, le même panneau, je dirais, de configuration en haut à gauche et en haut à droite. Donc là vous avez document par exemple. Donc document, ça vous permet de revenir en arrière tout simplement. Là je vais lancer le document, le DocX. Alors le DocX, à savoir, c'est un document Excel que j'ai créé moi-même directement sur le touchpad, sur la touchpad. Et je peux vous dire que c'est finalement assez confortable. Je m'attendais à pire parce qu'il n'y a pas de, enfin, j'ai pas de clavier physique. Mais au final, c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer la quantité de texte que j'ai écrit tout simplement. Donc j'ai écrit une page et demie, même un peu plus en format paysage, presque deux pages. Donc ça fait à peu près effectivement une page entière en portrait. Vous voyez, c'est très fluide. Et donc il suffit, comme je vous l'ai montré là, d'appuyer à n'importe quel endroit, dans une phrase ou à la fin d'une phrase, et ça lance le mode saisie. Donc le mode saisie, c'est quoi? C'est le clavier classique, donc bien sûr avec les signes si on bascule. Vous avez tout ce qui est touche de majuscule, tabulation, les chiffres, l'annulation, enfin l'effacement, la touche entrée pour faire à la ligne. Donc vous allez voir, la vitesse d'écriture est très très bonne. Hop, on revient à la ligne, on continue. Et après, vous allez avoir des fonctions assez avancées qu'on retrouve tout simplement sur Excel et Word. Donc c'est-à-dire B. Enfin, le gras, enfin, écrire en gras. Donc, il suffit juste de sélectionner une partie du texte et après vous transformez en gras, en italique, en surligné. Les justifications à gauche, au centre, à droite. Vous avez tout ce qui va être puce également. Donc, vous pouvez créer des puces avec des numéros. Comme vous voyez, 1, vous continuez, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. C'est très complet. Et de l'autre côté, vous avez les polices de caractère. Alors elles sont au nombre de 3. Par contre, c'est les 3 mêmes que ce que vous retrouvez sur ordinateur, c'est-à-dire Arial, Cambria ou Time New Roman. Vous avez donc aussi tout ce qui va être taille de la police. Et enfin, vous avez la couleur. Donc un choix assez vaste dans les couleurs. Vous avez une icône pour tout ce qui va être impression. Donc vous pouvez imprimer directement votre travail en passant sans passer par un ordinateur, directement par Wi-Fi si votre imprimante est en Wi-Fi. Et vous avez bien sûr la touche enregistrer qui vous permet soit d'enregistrer directement le travail à la suite, soit de l'enregistrer sous un autre nom en faisant enregistrer sous, et là vous n'avez plus qu'à changer le nom et vous validez après l'enregistrement. Voilà, je vous montre parce que voilà, là c'est mieux en termes de qualité. Comme je fais tout au manuel, c'est un peu plus long. Voilà, donc ça c'était pour les documents Excel. Donc on revient les documents Word, pardon. Si vous voulez créer un nouveau document, vous allez en bas à droite, comme vous le voyez, et là vous avez un petit carré, enfin un rectangle exactement,
avec un plus. Il suffit juste de valider. Et là, il vous propose document ou feuille. Donc là, on va faire feuille. Alors, je ne me suis pas encore mis sur Excel sur le touchpad. Mais je compte le faire, bien sûr. Donc voilà, donc je vais le découvrir plus ou moins en même temps que vous. Vous avez toujours le même système, même clavier, les mêmes menus en haut. Ça serait mieux que je vous les montre. Voilà, les mêmes menus en haut. Ça, ça ne change pas. Et vous avez le quadrillage classique d'Excel. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop m'apesantir, ça ne sert à rien. Sinon, c'est les mêmes fonctions. Donc après, vous avez d'autres possibilités, comme par exemple choisir un fichier à envoyer. Donc vous choisissez le fichier que vous voulez, le fichier que je vous ai montré. Et après, vous pouvez le joindre, c'est-à-dire l'envoyer par mail. Et là, il vous propose directement le menu mail qui vous permettra de transférer vos documents ou même de les recevoir à l'inverse. Donc plusieurs possibilités, soit vous envoyez vos documents via le câble USB à l'ordinateur, soit directement sur le compte mail. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs documents d'ouvert en même temps. Il les a gardés en tête. Donc, par exemple, je vais me dire que je vais ressortir le document Word de tout à l'heure. Voilà. Ça vous permet de travailler sur plusieurs documents en même temps, sans les perdre et sans avoir besoin de les fermer. Voilà. Bah, j'espère que ça a été assez complet, que j'ai pu vous donner envie d'utiliser cette application qui est très puissante et je trouve que ça serait dommage de ne pas l'utiliser, justement. Moi je fais pas mal d'allers-retours avec mon ordinateur justement avec ça parce que ça évite d'allumer l'ordinateur des fois pour rentrer une phrase ou deux et je vous souhaite une bonne découverte du logiciel très puissant et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos du blog. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation.